Good morgen, allez, Iden, les tutors aujourd'hui, le Lunishmat, Reb Shmuel, Bereb Shlomo Zalman, Janine Rude, Bat Fortune, Mazal Fritna, Lachayabat Mazal Tov, Lucienne Batraina, et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous essayons de Masechet Gitin, Beregdalet, Mishnah Zain. Amoti et Ishto, Mishum Shemra, Loya Chazir. Mishum Neder, Loya Chazir. Rabbi Yuda Omer, Kol Neder Shea Duborabim, Loya Chazir. Mishaloya Duborabim, Ya Chazir. Rabbi Meir Omer, Kol Neder Shea Tzarich Chakirat Chacham. Lo yachazir, veshano tsarich hakirat chacham yachazir. Amar Rabbi Eliezer. Lo asuze ela mipneze. Amar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Maase betzaidan be'echad shamar leishto. Konam. Imene migarshech vegersha. Vetiyo lo chachamim sheyachazir. Rena mipnei tikkun haolam. On continue le sujet des tikkun haolam, différents décrets que chachamim ont fait dans certaines situations pour éviter des complications. Avec, en l'occurrence, on va parler maintenant d'un cas, d'un double cas en fait. D'un homme qui divorce sa femme pour une raison précise. Même la prochaine Mishnah continuera encore sur le même sujet, on découvrira encore un autre aspect de la question. Un homme qui divorce sa femme avec une certaine raison. Et puis une fois qu'il a divorcé, il s'avère qu'il s'est trompé. Il a culpabilisé, il a câblé pour rien du tout, en fait elle n'avait pas ce qu'il pensait. Comme ce qu'on va voir, c'est d'abord je pose la généralité. Donc maintenant, il regrette, il a envie de se remarier avec elle. Ouais. Je l'ai divorcée parce que je pensais qu'elle était comme si. Finalement, il s'avérait que c'était faux. Donc maintenant, je vais me remarier. Vous allez me dire quoi de plus beau? Eh ben non, Chachamim, ils n'ont pas permis ça. Ils ont dit que si tu le divorces pour certains motifs, alors on ne va pas te permettre de la reprendre ensuite. Pour quelle raison? Parce que regardez la catastrophe. Il va divorcer sa femme parce que, par exemple, il a entendu qu'elle avait une conduite un petit peu frivole. Après, il va s'avérer, donc il va la divorcer. Maintenant, cette pauvre femme, pauvre ou pas pauvre, l'avenir nous le dira. Ensuite, elle se marie avec quelqu'un d'autre. Elle a des enfants, elle a refait sa vie, une femme tzadika, qui est très messoura, et d'un coup, on apprend un beau jour que, en réalité, elle n'avait même pas fauté, c'était une crapule qu'elle avait salie parce qu'il voulait je sais pas quoi lui soutirer, alors qu'en fait, c'était une femme propre et tzadika, et lui, il est là en train de se mordre les doigts et dire « Ah, si j'avais su, jamais je l'aurais divorcé. » Donc du coup, il est en train de regretter son guet. Et maintenant, s'il regrette son guet, alors peut-être qu'on va, les gens vont dire « Ah, en fait, c'est un divorce un peu truqué qui n'était pas un vrai divorce. » Donc en ce moment, elle s'est réellement remariée, cette femme-là, et elle a réellement des enfants. Donc ses enfants, c'est des mamzerim, parce qu'en réalité, elle est mariée avec le premier. Il a divorcé par erreur. Pour éviter ces ragots, il faut bien préciser d'abord que c'est des ragots, parce que s'il divorce sa femme sans poser de conditions, alors on s'en moque qu'ils nous disent « Je pensais et je pensais pas. Tu l'as divorcé, tu l'as divorcé. » Dvarim Shebalev Enam Dvarim, c'est une règle qu'on a, que quand tu fais une action et que tu penses à autre chose, ça incombe en rien face à... Imaginez, je t'achète ta voiture, et après tu me pleures, tu me dis non, j'ai vendu ma voiture parce que je pensais que j'allais repartir vivre en France, et finalement je vais rester ici, donc il n'y a rien du tout. Au moment où on a fait l'accord entre nous, tu m'as vendu la voiture sans rien préciser, donc tu m'as vendu coûte que coûte. Même principe, tu divorces ta femme sans préciser pourquoi tu la divorces, sans poser de conditions, donc tu l'as divorcée, c'est fini. Mais malgré tout, les gens, ils vont commencer à faire sortir des ragots, qu'en réalité c'est un mauvais guet, et si c'est un mauvais guet, alors, dans ce cas-là, son deuxième mariage, c'est un mauvais mariage, et en fait elle est mariée au premier, et les enfants qui sont nés entre-temps sont des mamzerim. Ils sont venus, chachamim, ils ont dit, tu sais quoi, lorsque tu divorces pour certains motifs, tu coupes terme, c'est fini, tu la reprends plus, même si elle ne s'est pas remariée. Comme ça, tu réfléchis à deux fois, et au moment où tu la divorces, quoi qu'il en soit. En précisant que même s'il s'avère que c'est faux, d'accord, sache que maintenant tu es bien entier avec ta décision de divorcer, tu ne pourras plus jamais dire que si j'avais su, parce qu'on dira, arrêtez les ordres de si j'avais su, on t'a évoqué la question, et tu nous as clairement dit que, malgré tout, tu veux la divorcer. Vous avez compris le principe? Alors on fait la Mishnah maintenant, on commence, c'est le premier cas d'abord, Motsiat Ishto Mishum Shemra. Celui qui divorce sa femme à cause d'un mauvaise renommée. Elle a eu des conduites un petit peu trop moches. Lo yachzir et ne pourra plus jamais la reprendre, comme il nous dit le Bartanora, même s'il s'avère que c'est faux. Il le dira un peu plus tard, mais en tout cas il le précise dans le Lo yachzir. Fellow nimso advarim shaker, même s'il s'avère que c'était faux, c'est fini. Comme ça, il ne pourra plus jamais sortir des ragots sur sa femme. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah, on va découvrir encore un deuxième motif. Un motif qui va être beaucoup plus délicat à expliquer. Je vous explique d'abord le principe, on va parler de Nedarim. On ne vit plus tellement avec l'histoire des Nedarim à notre époque. Rares sont les gens qui prononcent des Nedarim de ne pas manger, de ne pas boire, de se priver. En tout cas, c'était quelque chose qui existait plus fréquent encore à l'époque.
de prononcer des nedarim ou des jvouot encore. Et c'était quelque chose de très rabaissant quand un homme avait sa femme qui faisait des nedarim. Vous imaginez, mais un chéri, je t'amène au restaurant. Oh non, aujourd'hui, je fais un néder de ne pas manger. C'est quelque chose de frustrant d'avoir une femme un petit peu trop, trop tzadika, épuisante et étouffante. Et donc, du coup, il a une femme qui s'avère nadranite, une femme qui prononce des nedarim, et donc il veut la divorcer parce qu'il en a marre d'avoir une femme qui se prive tellement de choses. Elle a un problème, elle est. C'est un peu comme l'anorexie de l'époque, quoi, si je peux dire. D'accord? Ça frôle la maladie psychologique. Je sais pas, tel que je comprends, parce qu'on parle que. Les Mefarchim, ils parlent que c'était d'avoir maous, d'avoir une femme nadranite. J'essaie de comprendre l'histoire, j'ai pas tellement compris, mais en tout cas. Donc c'est quelque chose de maous, quelque chose de répugnant d'avoir quelqu'un qui est trop comme ça, épuisant. Elle se. Ok? Maintenant, petite introduction d'Ilchot Nedarim, on a déjà appris longuement dans Masechet Nedarim que le mari a la possibilité d'annuler les Nedarim qui le concernent. Il peut annuler les Nedarim, il a 24 heures pour le faire, il peut annuler les Nedarim. Pour les Nedarim que le mari ne peut pas faire, il faut aussi savoir qu'on a toujours la possibilité de partir voir le Chacham pour annuler les Neder. Ok? J'apporte juste deux données. Pas le voir le Chacham. J'ajoute encore une donnée. Lorsqu'elle va voir le Chacham pour aller voir le Neder, ça fait honte au mari. Imaginez, moi, je vois le Chacham, je dis, ah là, ta femme, elle a fait le Neder qu'elle ne mange plus. C'est une gêne. Ça nous fait entrer dans notre vie privée, ça me dérange qu'elle expose ce qui se passe chez nous. C'est sûr que c'est. Ça me dérange, d'accord? On lave notre salle en famille, j'ai pas besoin qu'elle aille raconter tout à tout le monde, d'accord? Je pose d'abord juste quelques éléments qui vont ensuite nous aider à comprendre les petites finesses de chacun des avis de la Mishnah. Parce qu'il va y avoir plusieurs avis pour définir exactement quel type de neder d'abord. La Mishnah commence à me dire d'abord, Mishum neder lo yarzir. Si je divorce ma femme parce que elle prononce des nedarim, je ne pourrai plus la reprendre. Ça implique, même si finalement elle va aller voir un haram qui va annuler le neder, je ne pourrais plus la reprendre. Et aussi, et même s'il va s'avérer qu'en réalité, elle n'avait même pas prononcé de néder. Même principe qu'on a dit pour la femme qui avait une rumeur qui la salissait. Même principe, de peur qu'après, tu la divorces parce que t'en as marre, elle est trop nadranite. Et puis, après, elle va se remarier, puis après, tu commences à regretter et qu'en fait, tu ne voulais pas vraiment la divorcer. Et les enfants qu'elle a eu avec son nouveau mari, maintenant, c'est devenu une mamzerim. Alors pour éviter toute situation, on te dit bien, si tu as le divorce pour ce motif, sache que prends bien, réfléchis bien à la question parce que tu n'auras plus jamais la mariée. Et si tu dis malgré tout, alors là on sait que tu as pris en considération le fait que tu vas peut-être découvrir que son éder n'était pas un éder, et que malgré tout tu veux quand même la divorcer parce que tu en as marre d'elle, tout simplement. Et tu ne pourras plus sortir de rumeurs, de ragots sur elle. Ok? Ça c'est le principe général. Maintenant, on va rentrer avec trois avis de Mishnah, de trois avis, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, qui vont chacun nous dire qu'en réalité, ce n'est pas surtout les Nédarim qu'on a fait cette histoire. Et en fait, c'est motivé par des motifs différents. Jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué la Mishnah en vous disant que la femme qui prononce des Nédarim, on va interdire à son mari de la reprendre de peur qu'il va ensuite regretter et faire sortir une rumeur qu'il regrette son guet. D'accord? C'est de manière générale, c'est la raison qu'on a évoquée. Et il y aura Rabbi Meir et Rabbi Eliezer qui vont penser que c'est effectivement la raison. On a Rabbi Yehuda qui va nous dire non, la raison pour laquelle on va t'interdire de reprendre une femme, c'est parce qu'en fait on a envie d'éduquer les femmes. Les femmes, elles ont une tendance à deux choses. Chas v'chalila. À peut-être partir voir ailleurs si elles sont séduites, d'une part, à se conduire un petit peu trop ouverte. Et les femmes, les hommes aussi, mais vous inquiétez pas, mais pour le moment on parle des femmes. On a ce problème-là qui est un problème. Et un deuxième problème, qu'une femme qui a une tendance à prononcer trop de nedarim. Les Chachamim ont fait un décret pour que les femmes ne soient pas habituées à trop se conduire de manière frivole et tout ça, on avertit bien toutes les femmes. Sache que si jamais ton mari t'attrape, que tu as une conduite pas nette, qui te divorce, il va divorcer, il ne pourra plus jamais te reprendre. Ou bien c'est pour la conduite frivole, ou bien c'est pour la conduite des Nedarim. En fait, donc l'interdit de reprendre sa femme, c'est pas de peur que le mari va faire sortir une rumeur, mais ça va être de peur que. Non, ça va être que Rabim, on fait un décret qu'on ne reprend pas une femme, comme ça on éduque bien les femmes à ne pas être. Un peu trop frivole dans leur conduite, et ne pas être trop de s'éloigner des Nédarim. On a un intérêt à le faire. C'est pour ça que Rabbi Yehuda va me dire, tu sais quoi? Kol Neder chez Yadou Borabim, lo yachzir, mais chez le Yadou Borabim, yachzir. Tu sais quoi? Puisque notre problème, il n'est pas, par rapport au Nédarim spécialement, notre problème, il n'est pas spécifiquement que ta femme, elle a prononcé un Néder, que tu vas sortir un ragot. C'est pas le problème des ragots. Le problème, c'est qu'on veut faire un décret pour que les femmes ne s'habituent pas à prononcer des Nédarim. Alors Rabbi Yehuda vient et nous donne une première limite en nous disant, sache que ce qu'on implique dans
cet interdit de reprendre sa femme, c'est uniquement un neder qui a été connu de tous. Si on a appris qu'une femme, elle a prononcé un neder qui a été connu de tous les voisins en parlent, tout le monde sait très bien qu'elle prononçait ce neder et son mari s'est fâché, il a divorcé à cause de ça. Là, à ce mari-là, on va lui dire, tu sais quoi, t'as plus le droit de reprendre ta femme. Comme ça, toutes les autres femmes, toutes les autres voisines qui vont entendre qu'on divorce à cause d'un neder qu'on n'a plus le droit de reprendre sa femme, elles vont s'écarter des nederim, elles vont éviter d'en prononcer. Mais si c'est un neder qui était entre vous, personne ne le savait, tu l'as divorcé, tu t'es fâché, demain tu la reprends. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, non, la motivation c'est autre chose. Kol neder chez tzarich hakirat racham, lo yarzir, mais chez tzarich hakirat racham, yarzir. On évoquait qu'on a deux sortes de nedarim. Le mari peut annuler un neder de deux manières. Soit, pour ce qui le concerne à lui, il entend le neder et dit j'annule. Donc il n'y a plus de neder. Ou soit, il y a des nedarim que le mari ne peut pas annuler parce que ça implique, ça ne concerne pas, ça ne touche pas sa vie privée, comme on a parlé dans le nedarim. Mais que malgré tout, la femme, elle peut elle-même regretter et aller voir le Rav, le Dayan, et demander au Dayan, au juge, qui va au Rav, qui va annuler le Neder. Il va pouvoir lui annuler en déracinant le Neder, d'accord? Ok, on a deux sortes de Nedarim. Sur ça, vient Rabbi Meir me dire, non, je vais t'expliquer quelque chose. Les Nedarim qu'on a décrété, que si tu divorces ta femme à cause d'un Neder, tu ne peux plus la reprendre, c'est de peur que tu vas faire sortir un ragot, que si tu avais su qu'elle allait annuler le Neder, tu ne l'aurais jamais divorcé. Mais ça, ça concerne que le neder que tu ne pouvais pas toi-même annuler. Mais s'il s'agit d'un neder que tu pouvais de toute façon toi-même annuler, tu l'as entendu, tu ne l'as pas annulé. Donc tu as bien pris conscience que tu ne voulais pas qu'elle annule. Tu voulais qu'elle reste avec ce neder, tu préfères la divorcer malgré le neder. Dans ce cas-là, tu ne peux pas ensuite nous raconter. En deux mots, tu avais la possibilité d'annuler le neder, tu as préféré divorcer ta femme. Ne nous dis pas ensuite que si tu avais su qu'elle allait annuler le neder, tu ne l'aurais pas divorcé. Tu avais la possibilité de l'annuler, tu ne l'as pas divorcé. Donc tu avais pas. Tu en avais marre d'elle, tout simplement. Même si son éder s'annule, puisque tu peux annuler et tu préfères ne pas annuler et qu'elle reste avec son éder et qu'elle se la bouffe. D'accord? Tu préfères la jeter. Alors, de son principe, sur ça, il me dit, un éder, alors maintenant, un homme, il a divorcé Réhouven, il a divorcé sa femme, parce qu'elle a prononcé un éder. Un éder qui concerne à Réhouven, s'il la divorce, puisqu'il avait la possibilité de l'annuler et qu'il n'a pas annulé, donc il avait bien conscience, on n'a pas de problème de ragot. De ce fait, une fois qu'il la divorce, il pourra la reprendre, cette femme-là. Parce qu'on ne va pas craindre qu'un jour elle va se marier avec quelqu'un d'autre et qu'il va dire si j'avais su. Parce qu'après, si j'avais su, tu pouvais l'éteindre. Par contre, si c'est un éder que ça n'incombe pas au mari de l'annuler, mais on a besoin nécessairement d'aller voir le chacham pour annuler ce néder, alors là, sur ça, est appliquée la halakha particulière qu'on ne va pas lui permettre de reprendre sa femme ensuite, de peur qu'un jour elle va se marier et qu'il va faire sentir des ragots sur elle. Et sur ça, on a Rabbi Eliezer qui vient et qui nous dit non, lo asru ze, ela mipene ze. Vient Rabbi Eliezer et me dit non, non. Il va dire à Rabbi Meir, c'est exactement le contraire. Réellement, tout type de neder est interdit. Mais le problème, il est spécialement sur les nederim que lui-même prononce. Ouais. Et sur les nederim qu'il pouvait lui-même annuler. Parce que les nederim qu'elle pouvait aller voir un chacham, il n'y a pas lieu de faire un décret sur ces nederim. Parce qu'aucun homme est prêt à supporter l'humiliation que sa femme va voir le raf pour lui demander d'annuler le neder. Je reprends, c'est un peu délicat, un peu complexe, et je ne pense pas que ça vaille le coup, que je rentre trop dans les détails et que j'allonge le cours de 10 minutes. Je vous explique juste l'idée générale. On a bien compris que il s'agit de quoi? Réhouven, qui était marié avec une femme, qui a prononcé un neder, et il est fâché avec elle, il la divorce parce qu'elle a prononcé ce neder. Notre problème, après coup, le temps passe, après 3 semaines, il veut finalement se marier avec elle. Notre problème, c'est quoi? C'est que peut-être qu'elle va partir. Au lieu de se remarier avec lui, ça ne va pas prendre 3 semaines, ça va prendre en fait 3 mois. Elle va se remarier avec quelqu'un d'autre. Et un jour, il va nous dire qu'il regrette. Et quand est-ce qu'il va nous dire qu'il regrette? Alors, ça va faire sortir des ragots sur ses enfants, qu'en fait, les enfants qu'elle a avec le deuxième mari, c'est plus ses vrais enfants, que c'est des mamzerim, les pauvres. Pour éviter cette situation, on a dit, écoute-moi, cher ami, tu divorces ta femme à cause d'un neder, sache que c'est irréversible. Tu la divorces, tu la reprendras plus jamais. Comme ça, tu prends bien tes considération, est-ce que tu veux réellement, même si elle annule le neder? Ok? Partant de ce principe maintenant, et donc notre problématique est de que quoi? De peur que un jour tu vas la divorcer et après tu vas me dire que tu regrettes. Alors sur ça, vient Rabbi Eliezer me dit, sache qu'un neder, que tu as besoin d'un chacham pour l'annuler, il n'en est pas question. C'est sûr que jamais tu pourras nous raconter que tu regrettes. Les gens te diront, je regrette si j'avais su. C'est quoi tu regrettes? Tu aurais voulu que ta femme elle aille voir le chacham? Tu aurais eu des bouchottes, l'archoum, elle va te raconter qu'en réalité, mon mari, toujours, il me fait comme ci, comme ça, à cause de ça, je vais faire un éder de.
Ça fait rentrer dans ta vie privée, jamais tu auras accepté de toute façon. Quand tu nous sors des ragots que tu regrettes d'avoir donné le guet à ta femme parce que si tu avais su, tu l'aurais pas divorcé, c'est des bêtises parce que jamais tu aurais accepté que ta femme aille voir un haram, on te croit même pas. La problématique, elle est spécialement dans les autres types de nedarim que tu avais la possibilité de les annuler et que tu as décidé de ne pas les annuler, que tu vas peut-être faire sortir un ragot que tu n'étais pas au courant qu'il y avait la possibilité de l'annuler, c'est pour ça que tu l'as pas annulé, mais en réalité, s'il y avait la possibilité d'annuler, tu aurais annulé. Et comme ça, et donc tu regrettes le divorce. Donc, concrètement, Rabbi Eliezer retenait juste que selon Rabbi Eliezer, de toute façon, ça revient au même. Tu divorces ta femme pour cause d'un neder, tu ne pourras plus jamais la reprendre. D'accord? Sur ça, maintenant, on a la suite de la Mishnah qui vient, il nous manque une petite phrase. Comme c'est précisé dans le Bar Tanoura, qu'il manque une phrase de transition, parce que là, on va changer d'autre chose, de situation. On va plus parler que c'est la femme qui prononce des nedarim et qui la divorce. On va parler d'un mari qui fait le neder de divorcer sa femme. Sur ça, on vient, on nous dit ça, qu'un mari qui prononce un neder, de divorcer sa femme, plus précisément. Ça n'existe pas, je fais le neder de divorcer ma femme. Je fais le neder, je m'interdis tous les fruits, je m'interdis de manger des mangues si jamais je divorce pas ma femme. D'accord? Je prononce un neder comme ça, pour que ça puisse fonctionner. Ça touche le trot nedarim, je ne rentre pas dans les détails. Je prononce tant qu'un neder que je vais me divorcer ma femme, concrètement. Sur ça, vient la méchante et me dit, sache que si tu veux, si après tu regrettes, tu pourras la reprendre. Tu n'es pas obligé. Tout le décret qu'on a fait, c'est que pour quand tu divorces ta femme, pour cause d'un neder, mais pas quand toi tu prononces un neder de divorcer ta femme. Et sur ce, ça que Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda vient, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il me raconte, Maaseh Betsaïdan, il y avait une histoire dans la ville de Tsaïdan, un homme qui avait dit à sa femme, Konam imeni migarashir. Je m'interdis tous les pérotes, si jamais je te ne divorce pas, Vegersha, et ensuite il a divorcé. Vetirolo Chachamim, Cher Chazirena, et Chachamim lui ont permis de la reprendre, Mipene Tikkun Aolam, c'est-à-dire, un peu délicat comme phrase, le Tikkun Aolam, non, parce qu'il y a tout le décret qu'on a fait sur le Nedarim, c'est uniquement dans l'autre situation à cause de la femme, de peur qu'il va faire sortir hein, la hase sur sa femme. Mais lorsque le mari divorce, il n'y a aucun problème, il peut reprendre sa femme, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.